l'amour de Dieu, le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
En la mémoire de nos morts, nous allons respecter une minute de silence. Aux morts. En mémoire de nos morts, nous allons respecter une minute de silence. Thank you.
africain qui revenant de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là. Pour mourir à ses pieds, louer à ses pieds, battre des tambours, à des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour les Canois, et pour les Africains. Et lorsque finira la guerre dans nos gourmets, le cœur joyeux et l'âme fière, d'avoir défendu le pays, en criant, en chantant, en allant. C'est nous les Africains qui revenons de pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, à tes tambours, à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, pour les Canois, c'est les Africains. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller général, monsieur le lieutenant Lesbrunes,
Madame la Générale Giraud, Messieurs de la première DB, Mesdames, Messieurs, de nombreuses communes de Saône-et-Loire fêtent aujourd'hui, ou fêteront dans les jours qui viennent, le 50e anniversaire de la libération de leur territoire. Notre commune de Saint-Véran-sur-Deux, dont nombre de ses administrés parmi nous aujourd'hui furent témoins d'un glorieux feu d'armes, se devait d'apporter un éclat tout particulier à cette commémoration. La libération de Saint-Véran-sur-Deux, en effet, s'accompagna de la prise d'un train blindé par un escadron de 44 hommes commandé à l'époque par le lieutenant des Brunes, ici présent, ainsi d'ailleurs que certains de ses compagnons d'armes. Hélas, tous ne sont pas ici. Je pense en particulier aux victimes de ce combat et des combats qui durèrent encore jusqu'en mai 1945. J'aurais de même une pensée, ainsi que tous ceux qui furent à un moment donné sous ses ordres, pour le général Giraud, qui à l'époque n'était encore que capitaine et dont le PC se trouvait à Saint-Léger-sur-Deux. Son épouse nous a fait l'honneur et le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui. Je l'en remercie. Je rappellerai brièvement, s'il en est besoin, le magnifique fait d'armes réalisé il y a quasiment 50 ans, jour pour jour, et plus exactement, le 7 septembre 1944, par quelques dizaines d'hommes courageux, décidés, alliant la clairvoyance et la témérité face à un ennemi infiniment supérieur en hommes et en armement. Semant le doute, perturbant l'organisation des soldats allemands, ces quelques 40 hommes dotés d'un minimum de matériel devaient finalement mettre en fuite l'ennemi, faisant environ 300 prisonniers, et surtout s'emparant par la même de ce fameux train blindé qu'aucun ancien du pays n'a pu oublier. Ce fut d'ailleurs le seul train blindé à être capturé intact de toute la guerre 39-45. À travers cette bataille victorieuse, qui devait malheureusement faire qu'une victime militaire ainsi qu'une victime civile, c'était avant tout la liberté que retrouvaient les habitants de notre petite commune. Pour cela, monsieur le lieutenant des Brunes, ainsi que vous, ses compagnons, vous avez acquis la totale reconnaissance des habitants de ce village et mérité de rester à jamais dans leurs souvenirs. Cette stèle sera désormais la mémoire des générations actuelles et de celles à venir. Et pourtant, en ce jour anniversaire, nous ne saurions oublier ceux qui sont morts plus obscurément, ceux qui ne purent contempler leur pays libéré et dont les familles ne purent savourer pleinement la victoire finale. Le monument que nous venons de fleurir à l'instant même, symbole du lourd tribut payé par notre commune, est là pour en témoigner. C'est pourquoi je veux associer le souvenir de tous ces résistants de l'ombre à celui que vous, monsieur le lieutenant des Brunes et vos hommes, avez laissé dans le cœur de tous les habitants de Saint-Véran-sur-Deux. En leur nom, en celui de l'ensemble du conseil municipal, permettez-moi de vous dire tout simplement merci. Avant que M. le sous-préfet nous lise le mot que M. le Président de la République nous a adressé, je crois que M. le lieutenant des Brunes, je dis toujours lieutenant, il avait pris du galon après. Il va peut-être nous dire un petit mot. Inutile de vous dire que je suis très ému de ce que vient de nous dire M. le maire, M. Bordet. Je dois aussi reconnaître et témoigner les qualités militaires dont ont fait preuve les unités qui étaient ici. Et, inutile de dire aussi, des soldats de mon peloton dont j'avais pris très peu de temps avant le commandement, pratiquement juste avant notre départ d'Afrique du Nord et débarquement en Provence. Qu'ils en soient remerciés aussi et bravo. Je voulais surtout aussi remercier la commune de Saint-Bérin pour la qualité de ses réceptions. Chaque fois que nous sommes venus, nous avons eu affaire à des gens au grand cœur qui nous ont accueillis, remerciés d'une manière extraordinaire. Je voudrais terminer surtout par une petite anecdote également. Il se trouve que 2 ans après la libération, c'est-à-dire en septembre 1946, j'étais venu accompagner d'un de mes hommes, que vous avez bien connu, puisqu'il s'agissait de Charles Royer-Fessard, et nous assistions, comme aujourd'hui, à la messe
dans cette église qui depuis a été un peu transformée. Au moment du sermon, l'abbé, vous m'avez dit le nom tout à l'heure, comment ? L'abbé Joseph Manon, exactement, est monté en chaire et a commencé son homélie de la manière suivante. Que notre reconnaissance monte vers le lieutenant des Brunes et vers la Sainte Vierge. Eh bien, je crois pouvoir vous témoigner que c'est la seule fois que j'ai court-circuité la Sainte Vierge. Et ça s'est passé ici, à Saint-Bérin. Monsieur le maire, madame la générale, mon lieutenant, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs, monsieur le maire, vous aviez invité monsieur le président de la République à ce moment de recueillement d'émotion et de gratitude. Il vous a adressé le message suivant que je vais lire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'ai reçu l'invitation de la municipalité de Saint-Bérin-sur-Donne à participer à la commémoration du cinquantenaire de la prise du train blindé le 7 septembre 1944. Je ne peux malheureusement être parmi vous aujourd'hui. Cependant, mes pensées vont en ce jour de souvenir vers votre village niché le long du canal du Centre, au cœur de la vallée de la Donne, vers votre région et ses habitants dont je me sens naturellement si proche, vers les plus âgés d'entre vous qui, sous les ordres du jeune lieutenant Desbrunes, se sont dressés ce jour-là avec héroïsme pour participer d'une manière spectaculaire et marquante à la déroute totale de l'occupant. Je rends hommage à leur courage et à leur détermination, comme je m'incline devant la mémoire de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Je pense également aux plus jeunes et à la façon dont vous leur raconterez ces événements de cette journée. Vous n'en ferez pas une leçon de haine, vous êtes en effet mieux placé que quiconque pour connaître le prix de la paix entre les peuples, entre les nations. Vous en ferez un message d'avenir en leur parlant, comme je le fais ici, du respect, du courage, du refus de l'oppression, de l'amour de la liberté et de la quête nécessaire de la fraternité entre tous les hommes. À vous, François Mitterrand. Messieurs, nous sommes à Saint-Bérin, évidemment. Toute cérémonie est suivie par un honneur, on ne peut pas oublier ça. Donc je vous invite tous à ce rang d'honneur qui se déroule donc sur le terrain de la commune, à proximité de la salle des fêtes. Nous allons suivre l'harmonie. Comme ça. Puis j'espère que vous serez tous là. Thank you.
qu'on appelle un gros plan. Ah oui, non, il est peut-être formidable, la cérémonie était très très bien. Ah aussi. Mais il n'a déjà pas mangé hier midi, elle n'a pas encore mangé hier midi. Hier midi, il n'a rien mangé. La seule solution pour maigrir. Je ne sais pas manger. Je ne sauterai pas sur la nourriture. Si, 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 vous verrez. Il y a une petite pêche qui va vous empêcher.